管理公司，哎，讲的是对业务的绝对有效沟通，而且爸爸你知道爸爸很聪明，哎，爸爸回来的。Alors, pour qui n'est pas faite, n'est-ce pas, cette conférence n'est pas faite, alors, s'il y a des personnes, n'est-ce pas, dans cette conférence qui cherchent le gain facile, ce n'est pas fait pour vous. En toute sincérité, je ne vais pas vous blaguer, ce n'est pas fait pour vous. Alors, ce n'est pas fait aussi pour toute personne voulant être millionnaire du jour au lendemain, sans effort. Ce n'est pas aussi fait pour toute personne qui n'est pas prête à investir pour évoluer. Et aussi pour toute personne accusant les autres d'être à la base de leur échec. Là, cette conférence n'est pas faite pour ces personnes-là. Alors, mon objectif ce soir, c'est de vous permettre de comprendre comment créer votre entreprise dans le domaine que je vais vous présenter. Et comment déployer la seule stratégie numérique qui fonctionne. C'est-à-dire qu'on va vous épargner des difficultés, n'est-ce pas? Nous, c'est le travail en ligne. Comment obtenir vos meilleurs clients chaque jour et de façon automatique? Et pourquoi cette conférence est différente? Ce que vous allez découvrir est unique. C'est un cadeau. Alors, je vais dire ce que tout le monde vit aujourd'hui, n'est-ce pas? Ce que nous vivons aujourd'hui ressemble à ça. La baisse de notre espoir de nous réaliser. N'est-ce pas? Alors, nos comptes bancaires sont rouges. Vous ne savez pas comment faire, comment vous en sortir. Vous êtes angoissé en pensant à l'avenir. Ce que vous devez savoir, si vous aimez travailler en ligne, bien sûr en ligne, si vous voulez avoir de nouvelles compétences, parce que avec ce que nous allons vous montrer, vous allez acquérir de nouvelles compétences. Tout à l'heure, je vais vous expliquer. Vous allez réaliser que vous pouvez, n'est-ce pas, acquérir de nouvelles compétences. Alors, si vous êtes prêt à dépasser vos croyances, oui, parce qu'il y a des gens qui ont des croyances, et nous allons, n'est-ce pas, vous départir, n'est-ce pas, de ces croyances ce soir. Alors, si vous êtes prêt à fournir les quelques efforts nécessaires, ce que vous devez savoir encore. Alors, vous êtes au bon endroit. Alors, après votre décision d'aujourd'hui, vous serez en un, comment mettre en place votre entreprise dans le domaine que je vais vous présenter. Et aussi, comment développer cette entreprise en utilisant les outils du web marketing. Il y a plusieurs outils du web marketing que nous allons vous montrer, n'est-ce pas? Pour ceux qui vont nous rejoindre, n'est-ce pas, on va vous offrir ça, cadeau, ces outils-là. Alors, comment faire pour attirer, n'est-ce pas, vos meilleurs clients en automatique? Ça, c'est très important. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de quitter, n'est-ce pas, ta maison et tu peux travailler en ligne. Moi, je le fais chaque jour. J'ai des clients au Cameroun, j'ai des clients au Bénin, des clients au Burkina, n'est-ce pas? Et donc, je suis chez moi, sur mon ordinateur, avec ma connexion, puis j'ai des clients, j'ai quand même des clients en ligne. Alors, ce soir, les bénéfices que vous allez avoir, n'est-ce pas? Vous aurez la liberté de pouvoir exercer votre activité et aider vos partenaires. Je dis bien vos partenaires. C'est-à-dire, quand on travaille avec quelqu'un déjà, c'est un partenaire, n'est-ce pas? Donc, vous allez avoir la liberté, n'est-ce pas, de pouvoir exercer votre activité et aider vos partenaires d'où que vous soyez et quelles que soient les circonstances. Alors, j'espère que vous me suivez, hein? Voilà. Donc, 11 personnes en ligne, s'il n'y a pas de message, c'est que vous me suivez. Merci beaucoup. Bien, donc, autre bénéfice, la résilience. Vous allez disposer d'un système automatisé pour obtenir vos clients, même si vous êtes contraint à des circonstances comme le confinement. Regardez le coronavirus.
Et quand c'était vraiment répandu assez, n'est-ce pas? Des gens ont été maintenus, n'est-ce pas, en confinement, n'est-ce pas? Alors, quand vous avez cette compétence du travail en ligne, vous n'avez pas besoin de sortir. Vous pouvez faire votre activité, n'est-ce pas, chez vous à la maison. Il suffit d'avoir la connexion et un appareil, soit qu'on appelle smartphone ou bien ordinateur, et vous travaillez. Donc, c'est ce que moi j'ai fait. OK? Bien. Autre bénéfice, l'autonomie. Vous n'allez plus dépendre de quelqu'un. Vous serez indépendant. Et puis aussi, vous allez avoir la confiance en soi, n'est-ce pas? Avoir la confiance en soi, c'est une bonne chose. Alors, qui suis-je? C'est vrai que je suis en train de parler, je ne me suis pas présenté. Je suis Mamadou Diomoné. À la base, je suis professeur de physique chimie dans un lycée d'Abidjan. Et à part ça, n'est-ce pas, parallèlement à ça, j'ai suivi des multi-formations. Aujourd'hui, je suis funèle buteur. Quand je suis funèle buteur, c'est vrai que des gens ne comprennent pas. Je peux créer n'importe quelle sorte de tunnel. Les tunnels de vente, les tunnels de prospection. Et ça, c'est ma spécialité. Donc, je suis funèle buteur. Alors, avant d'être funèle buteur, j'ai suivi des formations. Je suis partenaire d'abord d'une compagnie internationale. Et depuis 2018, j'ai suivi des formations poussées en web marketing sur la plateforme qu'on appelle Buderol. Buderol. Quand on dit Buderol... Le sommet, s'il vous plaît. Vous dites quoi? Vous parlez? Bonsoir. Oui, bonsoir. Je voulais savoir, est-ce qu'on pouvait avoir le sommaire? Comme ça, on peut noter au moins. Le sommaire. Ah, mais j'ai déjà commencé là, je suis... Ah, si vous pouvez prendre une feuille, n'est-ce pas, ou marquer, n'est-ce pas? Vous allez poser des questions après, n'est-ce pas? Je peux revenir là-dessus après. OK? D'accord, okay. OK, merci. Merci beaucoup. Donc, depuis 2018, j'ai suivi une formation poussée en web marketing. Et sur la plateforme qu'on appelle Buderol, pour ceux qui ne connaissent pas Buderol, Buderol, ça veut dire que construit tout en anglais, le Buderol. Donc, et sur cette plateforme, nous construisons, n'est-ce pas, les tunnels de vente, les tunnels de prospection, les emailing, en tout cas, tout ce qui est outil de web. Et j'ai fait 2 ans là-bas, n'est-ce pas? Et après, je suis venu à System.io, System.io, où j'ai fait la même chose. Alors, ce que vous allez découvrir dans cette conférence, d'abord, on va définir, n'est-ce pas, la santé. La définition exacte que l'OMS donne à la santé. Et en 2, nous allons vous donner les causes de la dégradation de notre santé et les conséquences. Et en 3, on va vous donner les solutions. Donc, tout à l'heure, qu'on appelle l'invité qui a demandé le sommet, là, voici les grands titres, n'est-ce pas? Et en 4, on va vous montrer comment bâtir une entreprise à succès dans le domaine du bien-être. OK? Bien. Définition de la santé selon l'OMS. L'OMS dit quoi? Que la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social. Et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. C'est-à-dire que l'OMS résume la santé à 3 conditions. La santé physique, mentale et sociale. Ça veut dire quoi? Que si l'une des conditions manque, tu es malade. Je prends un exemple terre à terre. Moi, j'aime prendre ça terre à terre, n'est-ce pas? Tu es un père de famille. Nous sommes, n'est-ce pas, de la période de la rentrée scolaire, n'est-ce pas? Et tu n'as même pas l'argent, n'est-ce pas, pour inscrire tes enfants en ligne, n'est-ce pas? Alors, cher monsieur, et tu es malade. Le mec dit que tu es malade. Voilà. Parce que tu manques, n'est-ce pas? La santé, n'est-ce pas? Est sociale. OK. Les causes de la dégradation de notre santé. Qu'est-ce qui dégrade notre santé aujourd'hui? On va aller pas à pas. Si vous avez vous pouvez prendre des feuilles pour noter, hein, n'est-ce pas? Et à la fin, on a 15 minutes d'échange, n'est-ce pas? En 1, le stress. Les soucis. Et c'est vrai, les soucis. Alors, il y a deux images. S'il vous plaît, qui montre. S'il vous plaît, affichez l'écran. L'écran? Oui, l'écran est réduit. C'est vous qu'on voit. On ne me voit pas? Tu vois maintenant? Alors, Patrick, tu vois? OK, donc on avance. Bien. Merci, Patrick. Alors, donc, un stress émotionnel grave augmente considérablement la quantité de radicaux libres dans l'organisme.
créant ainsi le stress oxydatif. Stress oxydatif, ça veut dire quoi? Les dépôts de déchets dans l'organisme. Regardez deux images qui montrent absolument ces deux, ce que j'ai dit. On voit, n'est-ce pas, une première image, n'est-ce pas, où il y a deux messieurs. Et quand on regarde les deux messieurs, il y a un qui est assis et un qui est, n'est-ce pas, debout. Celui qui est assis semble être le plus âgé. Mais quand on pousse notre analyse, il est, n'est-ce pas, il est l'employé, n'est-ce pas? Celui qui est jeune est en train de, n'est-ce pas, de mettre en garde celui qui est assis. C'est-à-dire que le patron, celui qui est jeune là, qui est debout, est le patron, semble être le patron. Il est en train de mettre en garde, n'est-ce pas, pour peut-être un mauvais rendement, celui qui est âgé. Alors, dans quelles conditions sera, n'est-ce pas, celui qui est âgé? Il sera stressé, c'est sûr. Alors, qui dit stress, dit accumulation de déchets dans notre organisme. Et ces déchets-là peuvent, n'est-ce pas, venir boucher nos artères. Et quand l'artère est bouchée, le sang ne pourra plus circuler normalement. Ça peut conduire à l'AVC. OK? Alors, deuxième image. Et quand on regarde, n'est-ce pas, la deuxième image, l'attitude de l'enfant montre que ce couple-là a l'habitude de se disputer. L'enfant dit quoi actuellement? Quand on essaie de, qu'on appelle, d'analyser, l'enfant est en train de dire que, n'est-ce pas, elle en a marre de leur dispute quotidienne. N'est-ce pas? Et cette dispute-là peut créer, n'est-ce pas, en ces personnes du stress. Et le stress, n'est-ce pas, augmenter les déchets. Les déchets, n'est-ce pas? Alors, s'il vous plaît, fermez les micros et puis après, on va se... On peut faire des échanges. OK, donc, alors, vous voyez que cette dispute peut occasionner, n'est-ce pas, des déchets dans le corps de ces personnes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les déchets peuvent, n'est-ce pas, venir boucher les artères, donc freiner, n'est-ce pas, la circulation du sang. Et quand le sang n'arrive plus à circuler dans les artères, imaginez ce qui va arriver. C'est l'AVC, OK? Alors, bien. Alors, un problème technique. Voilà. Donc, en deux, la pollution de l'air. La pollution de l'air. La pollution de l'air est causée par les gaz d'échappement, les déchets, les ordures. Vous voyez ces images qui montrent les, qu'on appelle la pollution de l'air, n'est-ce pas? Vous voyez déjà, hein? C'est-à-dire que les gaz d'échappement, les embouteillages en point fini dans les grandes villes comme à Abidjan, Yaoundé, Bamako, Accra, n'est-ce pas? Lomé, n'est-ce pas? Ce sont les grandes villes où les gens sont exposés, n'est-ce pas, à ce genre de pollution. En troisième cause, la fumée des cigarettes. Alors, il y a certains de nos frères qui ont décidé de se tuer sciemment. Hein. Moi, j'aime le dire. C'est vrai. Alors, on dit ici, notre organisme a besoin en moyenne de 60 mg de vitamine C par jour. On fait un petit calcul ensemble. Chers invités, le tabac, l'alcool et le café détruisent la vitamine C. Une cigarette, par exemple, détruit 25 mg de vitamine C. Il dit bien une cigarette. Donc, pour quelqu'un qui fume, n'est-ce pas, 10 cigarettes par jour, regardez la quantité de vitamine C que la personne va détruire dans son corps. On fait le petit calcul. On fait 25 fois 10, ça veut combien? 250. Alors que les aliments apportent 60 mg de vitamine C, n'est-ce pas, à notre organisme. Et si tu as fumé 10 cigarettes, tu viens de détruire 250 mg de vitamine C. Faisons le calcul. On fait 250 moins 60. Il va rester 190. Ça veut dire que dans la journée, tu dois à ton corps 190 mg de vitamine C. Imaginez, le jour où tu as commencé à fumer et l'âge que tu as aujourd'hui, combien de vitamines tu dois à ton corps? Vous voyez? Ça veut dire que ton corps est évolué. Donc, en plus, un paquet de cigarettes réduit la vie de 3h40 minutes à jour. Regardez le poumon, n'est-ce pas, d'un fumeur et le poumon d'un non-fumeur. OK? Bien. La pollution des aliments. On voit ça, hein? Des études croisées ont montré que notre alimentation, telle que les légumes, les viandes, le riz, a perdu sa concentration en nutriments dans nos jours. Les raisons de ces pertes nutritionnelles sont les sols pauvres, les récoltes précoces, les traitements chimiques et croissance accélérée. Vous voyez? Donc nous sommes exposés à ces dangers-là. Regardez un peu, n'est-ce pas, la première image.
Alors, nous voyons, n'est-ce pas, un monsieur qui est en train de pomper, n'est-ce pas, son champ de salade. Regardez son accoutrement. Ça veut dire que, n'est-ce pas, le gaz qui sort, n'est-ce pas, de son, qu'on appelle sa machine est toxique. C'est protégé contre ce gaz-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ceux qui ont ouvert leur micro, s'il vous plaît, n'est-ce pas? Alors, coupez les micros tout à l'heure. On va échanger, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Merci pour votre compréhension. Alors, donc, le monsieur en question, n'est-ce pas, il s'est protégé, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ce gaz-là est toxique. Or, ces aliments-là peuvent se retrouver dans notre marché. Après le marché, ils se retrouvent dans nos assiettes. Après l'assiette, imaginez la suite vous-même, n'est-ce pas? C'est le ventre. OK? Donc, nous sommes en danger. Et la deuxième image montre aujourd'hui que nos produits ont perdu, n'est-ce pas, de façon drastique, leur pourcentage en nutriments. OK? Alors, donc, c'est la pollution de l'eau. Moi, ici, quand je fais arriver cette partie, j'aime dire souvent, n'est-ce pas, j'aime souvent dire que faites une expérience. Faites une expérience. Remplissez une bassine d'eau. Demain matin, essayez de faire ça à 10h ou bien à n'importe quelle heure, ou bien ce soir même, faites un peu l'expérience. Vous remplissez la bassine d'eau. Vous allez constater qu'après 5 minutes, vous allez constater un dépôt blanchâtre, n'est-ce pas, au fond de l'eau. Imaginez, si vous puisez l'eau directement dans un gobelet et vous buvez, le dépôt là va se déposer dans votre ventre. Et cela peut, ça peut provoquer quoi? Des maladies, des diarrhées, n'est-ce pas? Et on nous dit ici que 3 millions de décès dans le monde par an, n'est-ce pas, à cause de la mauvaise qualité de l'eau, présente des micro-organismes, déchets industriels, provoquant des maladies diarrhéiques. Vous voyez ça? Et c'est vrai. Alors, ensuite, les médicaments. Des études ont montré que les réactions négatives aux médicaments... Bon, je n'ai pas dit de ne pas aller à l'hôpital. Hein. Là, je n'ai pas dit ça. Soyons, n'est-ce pas, soyons clairs là-dessus. Il faut aller à l'hôpital, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas abuser. Quand je dis ne pas abuser, j'y parle d'abord. Des études ont montré que les réactions négatives aux médicaments constituent la principale cause de décès aux USA et en Europe. C'est-à-dire dans les pays développés, ils sont exposés à ces dangers-là. Et chez nous, en Afrique, où les gens passent par l'automédication. Vous voyez un peu? Donc, on nous dit ici, en Afrique, les faux médicaments tuent des milliers de personnes chaque jour, chaque année, n'est-ce pas, en Afrique. Il y a un grand médecin qui est en train de témoigner, qui dit qu'on est mort sur ordonnance. Vous voyez? Alors, les conséquences. Alors, aujourd'hui, plus que jamais, notre environnement est truffé de qu'on appelle notre mode de vie, notre alimentation, pollués sont truffés d'éléments qui sont responsables de plus de 110 maladies, dites maladies de civilisation, contre lesquelles il n'y a pas de traitement médical efficace. Donc, nous sommes en danger. Ça veut dire, j'explique un peu, ça veut dire que ce que nous mangeons là, ça crée aujourd'hui, n'est-ce pas, plus de 110 maladies. C'est-à-dire des maladies qui sont liées, n'est-ce pas, à notre mode de vie, notre alimentation. Donc, nous sommes en danger. OK? Alors, ce n'est pas pour vous alarmer, n'est-ce pas? Les conséquences, je cite quelques maladies de civilisation, le vieillissement précoce, l'obésité, et le cancer du sein, les fibromes et les kystes ovariens, le diabète, les hémorroïdes et encore d'autres maladies, n'est-ce pas? Les AVC. Vous voyez, ils sont des maladies qui sont liées, n'est-ce pas, à notre alimentation. Et quand vous voyez une personne obèse, vous pensez que non, l'obésité n'est pas liée à une richesse. Moi, j'aime dire ça souvent. Et moi, j'explique le cas, parmi ces maladies, je prends le cas de l'obésité. L'obésité, simplement, excusez-moi, est liée simplement à l'accumulation des graisses inutiles dans notre corps. Vous savez, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas? Et quand vous êtes obèse, ça veut dire que, n'est-ce pas, le squelette, n'est-ce pas, est proportionnel à une masse de chair. Et quand votre masse de chair augmente, le squelette ne pourra plus supporter totalement. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir des, qu'on appelle, des douleurs au niveau des, qu'on appelle, au niveau articulaire. Il y a un liquide au niveau des articulations qu'on appelle le liquide synovial. Ils vont commencer à finir. Et quand ça finit, quand les os vont commencer à se toucher, ça fait mal. Donc, ce sont l'obésité qui fait ça.
Et ça peut conduire même à l'AVC. Alors, et en deux, à la pointe technique, voilà, excusez-moi. Voilà, ma machine veut se planquer là. Non. Voilà, bien. Alors, donc ici, que faire pour être à l'abri? Alors là, je suis allé vite. Hein. Excusez-moi, peu technique. Voilà, merci. Donc, les solutions. Que faire pour être à l'abri? N'est-ce pas? Voici les questions. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour être à l'abri? Moi, je vous pose la question. Si vous avez des réponses, je vais regarder dans le texte. Si vous avez des réponses, on peut. On essaie, ce sont des échanges. Hein. Je m'en vais dans le voir des réponses. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être à l'abri de tout ce qui est cité là? Je viens voir votre réponse. Si je peux avoir quelques réponses déjà. C'est bien affiché. Alors, je ne vois pas de réponse. Quelqu'un me dit que votre micro, s'il vous plaît. Ah oui, bonsoir Joël. Non, non, c'était pour dire à Joël que... Ah, quelqu'un dit qu'on ne sait rien. Patrick Success dit qu'on ne sait rien. OK, allez à l'hôpital. Ah, c'est Honda. À tout le monde, allez à l'hôpital. Très bien, quelques réponses. OK, bon, d'accord, c'est pas grave. Moi aussi, je vais donner mes réponses. Merci pour les quelques réponses. Bien. Alors, que faire pour être à l'abri? Alors... Solution, première solution, ça c'est, voici des conseils de plusieurs médecins, le père de la médecine qu'on appelle Hippocrate. Hippocrate nous dit quoi ici? Il nous dit que votre nourriture soit votre médicament et que votre médicament soit votre nourriture. C'est-à-dire, ça c'est le père de la médecine. C'est sûr, n'est-ce pas, le nom de cette personne-là que tous les médecins, n'est-ce pas, jurent. Hippocrate. Il nous dit que votre nourriture soit votre médicament. Et que votre médicament soit votre nourriture. Il y a un autre qui renchérit, ça c'est un Indien. Il dit, si votre nourriture n'est pas bonne, votre médicament reste sans effet. Mais si votre nourriture est bonne, vous n'avez pas besoin de médicaments. Et c'est vrai. Tout à l'heure, je vais vous expliquer. Alors, deuxième solution. Il faut avoir un environnement sain. Bon, j'explique ça. Hein. Ça dit, chez vous à la maison, ça doit être propre. Si tu es propre, régulièrement propre, et tu vas contaminer ton voisin, c'est sûr. Même ton voisin qui est un peu... Bon, là, c'est pas pour jeter quelqu'un, hein, n'est-ce pas? Si le voisin est un peu désordonné et puis il est un peu sale, et s'il te voit balayer chaque jour chez lui, et tu vas le contaminer, il va faire comme toi. Donc, il faut avoir un environnement sain. Alors, et faire des activités physiques régulières. Là, je voulais poser la question à tout le monde, n'est-ce pas? Qui fait des activités physiques régulières? Je voulais voir la réponse. Activité physique régulière. Alors, qui fait ça? Moi, j'en fais, n'est-ce pas, chaque samedi. Oui, Honda dit moi. Très bien. Qui d'autre? Les samedis, très bien. Ah, je suis du co-fan. Tu es comme moi, chaque samedi. Moi, je fais ça chaque samedi. Merci beaucoup. Donc, quelques réponses. Merci, bien. Donc, on avance. Très bien. Alors... OK. Donc, faire des activités. Et aussi, n'est-ce pas, solution 4, avoir une alimentation naturelle et équilibrée. Est-ce que, selon vous, n'est-ce pas, est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir une alimentation, n'est-ce pas, naturelle et équilibrée? C'est pas possible. C'est rare. Et là, on nous conseille quoi? De passer, n'est-ce pas, à la consommation régulière des compléments alimentaires. Mais où est-ce qu'on va avoir ces compléments alimentaires-là? Bon, OK. Où trouver ces compléments alimentaires? Alors, est-ce qu'on peut donner des réponses? Où est-ce qu'on peut trouver des compléments alimentaires? Oui, est-ce qu'on peut avoir des compléments alimentaires? Chef, voilà. Donc, les réponses, quelques réponses. Qui peut nous donner, n'est-ce pas? Des sources de compléments alimentaires. Il y a un qui dit Forever. Très bien, Forever. Et qui d'autre encore? Pharmacie, c'est bien. Ah, c'est Josiane qui dit pharmacie. Merci, Josiane. Merci pour la participation. OK, donc on avance. Forever pharmacie. OK. Alors, chers amis, dans les centres diététiques, Longriche, très bien. Bakayoko, Longriche. OK. Longriche aussi, c'est très bien. Merci. Donc, quatre réponses. Alors, moi, je vous donne les réponses. C'est vrai, il y a Longriche et il y a aussi une société, n'est-ce pas, que je vais vous présenter ce soir,
Et quelqu'un a déjà dit le nom, n'est-ce pas? Il s'agit de Forever Living Product. Donc, Forever Living Product, qui veut dire quoi en anglais? C'est un mot anglais, ça dit que des produits pour vivre longtemps. Des produits pour vivre longtemps, n'est-ce pas? Alors, ça a été créé, n'est-ce pas, en 1978. Alors, une société qui a été créée en 1978, qui existe encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est une société qui est solide, n'est-ce pas? Et la société a été créée par ce grand monsieur qui s'appelle Ress Morgan. Et ce monsieur, je vais vous raconter son histoire, il était malade. Il était vachement riche aussi dans l'immobilier. Les plus grands milliardaires des États-Unis. Et il était malade, il avait le cancer du sang. Et il a parcouru, n'est-ce pas, tous les hôpitaux, il n'a pas trouvé de solution. Il lui avait même été dit que, n'est-ce pas, qu'il devait mourir dans 4 jours. C'est son médecin légiste qui a dit ça. Et dans sa recherche de ses solutions, il a rencontré, n'est-ce pas, son ami pharmacien, Bill Cote. Et Bill Cote lui a dit qu'il avait une plante, n'est-ce pas, qui pouvait le sauver. La plante, n'est-ce pas, l'aloe vera. Ils ont pressé les jus de l'aloe vera, il a bu les jus de l'aloe vera. Et les cellules cancéreuses ont commencé à diminuer considérablement dans son sang. OK? Les cellules cancéreuses ont commencé à diminuer considérablement dans son sang. Et notre grand monsieur n'est pas mort. Il est resté jusqu'à 93 ans. Et c'est le mois surpassé. Il est mort. Il est décédé. Et il nous laisse la société. Il a légué la société à son fils et qui gère aussi la société. Alors, donc c'était l'histoire des Forever. Nous sommes numéro 1 mondial de l'aloe vera. Un succès mondial dans plus de 170 pays. Et voici le siège des Forever, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire. Ça se trouve à la Riviera, n'est-ce pas, Riviera, 9 kilos, pour ceux qui connaissent Abidjan. Et la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Togo, le Niger, Bénin, n'est-ce pas, forment le même, n'est-ce pas, la même équipe, n'est-ce pas, dans Forever. Donc Forever Côte d'Ivoire. Alors, voici quelques sièges à travers le monde, Vietnam, Turquie, n'est-ce pas, et Japon, n'est-ce pas, Irlande, Mexique, autres. Alors, voici un grand journal ivoirien qui classe les meilleures entreprises de Côte d'Ivoire, les 500 meilleures entreprises de Côte d'Ivoire chaque année. Et Forever est toujours classé. Forever est toujours classé. Et ça, c'était en 2017. Et Forever occupait la 354e place. Et chaque année, Forever est classé. Et que faisons-nous? Nous produisons les meilleurs produits au monde. Je pèse mes mots. Nous produisons les meilleurs produits au monde. De la plante au produit et à vous. Nous produisons des buvables. Alors, je vais parler du bidon jaune. Et ce bidon jaune est un régénérateur, un antioxydant. Et voici le bidon, n'est-ce pas? Et voici le bidon bleu. Bidon blanc à tête bleue. Et c'est le seul bidon qu'on appelle Forever Freedoms. Et c'est le seul bidon, je pèse mes mots, qui arrive à remplacer le liquide synovial dans les articulations. OK? C'est-à-dire celui qui a arthrose là. Si tu veux te soigner, il faut venir faire ce produit. On va te conseiller ce produit-là. Et il y a aussi, n'est-ce pas, ce produit, n'est-ce pas, le berry. Je reviens en arrière. OK. Donc, ce bidon à tête. Ah, c'est le bidon, n'est-ce pas, qu'on appelle le berry nectar. Ah, c'est pour les infections urogénitales. OK. Les prostates. OK. Alors, nous avons aussi, n'est-ce pas, le bidon blanc à tête orange, le cœur d'aloès. Le cœur d'aloès, qui est vraiment bon pour nos enfants. Pour nos enfants qui vont à l'école, n'est-ce pas? Alors, vous voyez des produits conseillés par le monsieur. Le monsieur, là, il a eu la trousse, n'est-ce pas? Voici la liste des produits qu'on a. Alors, nous avons aussi, n'est-ce pas, les compléments alimentaires. Coupez le micro. Je vous en prie, coupez le micro. Je vous en prie. Merci beaucoup pour votre compréhension. Bien. Donc ici, nous avons les compléments alimentaires qu'on peut classer, n'est-ce pas, en 4 groupes. Okay. Je pense qu'il faut arrêter la conférence et puis vous allez demander aux gens d'arrêter les micros, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai. Tu as pleinement raison. Et je vous en prie, arrêtez les micros et tout à l'heure, je vais vous accorder 15 minutes. On va échanger. En tout cas, toutes les questions, prenez une feuille, n'est-ce pas? Prenez une feuille, marquez ce que vous n'avez pas compris ou bien les questions, n'est-ce pas, qui vous... Et que vous voulez poser, n'est-ce pas? Vous les mettez sur une feuille.
À la fin, je vous accorde 15 minutes et vous allez, n'est-ce pas, poser vos questions et nous sommes là pour vous répondre. OK? Merci pour votre compréhension. Merci beaucoup. OK. Bien. Donc ici, j'ai parlé des compléments alimentaires. On peut les classer en trois groupes. Et il y a le groupe des antioxydants. Quand je dis antioxydants, c'est des groupes qui vont, n'est-ce pas, détruire, n'est-ce pas, la toxine, n'est-ce pas, qui est dans notre corps. Retirer la toxine dans notre corps. Et aussi, nous avons les régénérateurs. C'est-à-dire, on peut avoir des cellules mortes, n'est-ce pas, dans notre corps. Il y a des produits spécialement pour aller, qu'on appelle, régénérer, n'est-ce pas, ces cellules-là. Donc, il y a le groupe aussi des, qu'on appelle les stimulants. C'est-à-dire, il y a des, certains qu'on appelle des organes de notre corps qui ne fonctionnent plus assez. Qui fonctionnent, mais qui ne fonctionnent plus assez. Donc, il y a des produits pour aller, n'est-ce pas, leur donner, n'est-ce pas, un petit plus pour qu'ils aient, n'est-ce pas, leur fonction normale. OK? Donc, ce sont les stimulants. Nous avons aussi des produits, n'est-ce pas, pour soigner, n'est-ce pas, la constipation chronique et puis l'hémorroïde. On va aller vite. Et pour ceux qui ont la faiblesse sexuelle, il y a des produits, n'est-ce pas, pour la faiblesse sexuelle, tels que, n'est-ce pas, Forever Multimata, le Vitolize, le Ginsha, et puis, en tout cas, avec ce kit-là, et vous allez, n'est-ce pas, vous allez couvrir, n'est-ce pas, votre sexualité. Il y a aussi, tout à l'heure, on a parlé de qu'on appelle la cigarette, je me suis attardé là-dessus, et voici, n'est-ce pas, le kit, n'est-ce pas, pour nettoyer le poumon d'un fumeur. Ici, je pèse, n'est-ce pas, mes mots, si tu prends ce kit-là, ce mélange-là, ce qu'on appelle cette composition, tu peux même arrêter de fumer. Lorsque tu fais au moins 4 mois, en prenant, n'est-ce pas, ce kit, tu peux arrêter de fumer. Nous avons aussi, n'est-ce pas, les produits à base qu'on appelle les produits de la ruche, qui sont des produits à base de miel. Il y en a 4. Le Forever Gelé, qu'on appelle Gelé Royal. Il y a le miel du Forever, qu'on appelle Forever Bee Honey. Il y a Propolis. Il y a aussi, n'est-ce pas, Forever Bee Pollen. Ce sont des puissants produits, n'est-ce pas, qui arrivent, n'est-ce pas. Le Gelé Royal, par exemple, c'est fait pour la fertilité. Vous voyez un peu. Et là aussi, le Bee Pollen, c'est fait pour prostate. En tout cas, il y a des puissants produits. Nous avons aussi, n'est-ce pas, pour nos femmes, n'est-ce pas, les femmes, les produits de soins corporels. Beaucoup de produits de soins corporels, ce n'est pas des éclaircissants. Et je vais m'attarder sur un produit phare qu'on appelle Forever Bright. Forever Bright, qui est la pâte d'un truc de Forever. Je vous donne le prix en même temps. Hein. C'est un produit qui coûte, je crois, 5 600, pardon. Et donc, c'est un produit à multifonction. Multifonction. Moi, je vais vous dire, je vais vous faire qu'on appelle une confidence. J'ai ma femme. J'ai deux enfants. Non, deux premiers enfants, pardon. Excusez-moi, deux premiers enfants. Et le deuxième, il a autour de 13 ans. Et après 13 ans, ma femme n'a plus fait d'enfants. Et moi, je lui ai conseillé ce produit, la pâte de Forever. Et je vous dis, on vient à peine d'avoir notre troisième enfant, un autre garçon, trois garçons, avec ce produit-là. Voilà. Donc, c'est des bons produits. Et c'est cet enfant qui est en train de... Bon, il fait un peu de bruit, hein, n'est-ce pas? Excusez-moi pour ce bruit-là. Alors, donc, voici, il est anti-carie, haleine fraîche, et pour dents sensibles, apaise gencives fragiles, anti-plaque, et soins blanche, qu'on appelle blanc blancheur, soins total. En tout cas, c'est un produit à multifonction. Multifonction. Oui. Même si tu as l'hémorroïde, que ça te fatigue, l'hémorroïde te fatigue. Tu n'arrives même pas à t'asseoir, n'est-ce pas, dans ta voiture, pour rouler ta voiture, n'est-ce pas, pour conduire ta voiture. Tu mets un peu, n'est-ce pas, tu fais comme un suppôt. Un suppôt, tu vas voir, le sang, même quand le sang coule, ça va arrêter le sang. Et puis, tu vas bien t'asseoir. Je prends le cas des enseignants qui aiment beaucoup s'asseoir en classe, ou bien des tailleurs, par exemple, les couturiers, et cette patte-là. OK? On va aller vite. Donc, il y a des produits, n'est-ce pas, pour soigner le diabète. Et il y a aussi, n'est-ce pas, le kit Clean 9. Et pour les personnes qui sont obèses, voici, n'est-ce pas, le produit phare qui peut faire perdre, n'est-ce pas, une personne obèse. Et 3 à 5 kilos, n'est-ce pas, en 9 jours, je pèse mes mots, en 9 jours. Tu perds 3 à 5 kilos. OK? Alors, et ça, c'est mon produit phare, le Vital 5, c'est le produit qui m'a soigné. Alors, je vous raconte mon histoire, chers amis, chers frères et chers sœurs. Moi, j'étais malade.
comme je l'ai dit au départ, je suis enseignant, professeur de physique chimie au lycée. Et nous, les enseignants de physique chimie, on n'a pas le temps de s'asseoir. Puisqu'on démonte, n'est-ce pas, au tableau, on écrit au tableau régulièrement. Et moi, j'ai commencé à sentir dans mon épaule une petite paralysie, une paralysie. J'ai commencé à ne plus sentir mon épaule, mes bras. Et j'ai parlé à un ami et qui m'a conseillé ce pack-là. J'ai commencé même à le goûter. Enfin, moi, je l'ai goûté parce que je lui ai dit que non, ça c'est. Les gens parlent de ça, c'est n'importe quoi. Tout à... Ouais, un peu. Mais là, l'ami a insisté. Et moi, j'ai cherché l'argent, j'ai pris le pack. Et quand j'ai commencé à prendre, il dit, je vous dis, en 3 jours, j'ai commencé à sentir, n'est-ce pas, la douleur qui était, n'est-ce pas, dans mon épaule a disparu. Et j'ai continué à prendre. Et j'étais à l'aise. Disons, c'est mon histoire. Et depuis ce jour, moi, j'ai commencé à consommer ces produits. Et je vais vous parler encore, n'est-ce pas? Et ça me fait du bien. Alors, comme je l'ai dit avec ma femme, ça soigne ma femme aussi. OK. Alors, nous avons, n'est-ce pas, nous avons des labels. Les musulmans reconnaissent, les chrétiens, n'est-ce pas, reconnaissent que nos produits sont bons. OK. Les témoignages, quelques témoignages, on va aller vite. Vous voyez Chantal, qui a pour réaliser le visage de Chantal, avec plusieurs boutons, les boutons parsemés, n'est-ce pas, dans son visage. Mais quand elle a pris nos produits, regardez son visage. Alors, cette dame qui a été brûlée, n'est-ce pas, par le feu, et quand elle a appliqué la pâte dont je parle là, vous voyez la peau, les cicatrices commencent à disparaître. La plaie disparaît, et la peau commence à devenir normale. Alors, voici cette dame. Regardez cette maladie qu'on appelle le goitre. Le goitre est dû à quoi? Le goitre est dû, n'est-ce pas, à un manque de diode. Manque de diode dans notre alimentation. Et quand il y a ce manque de diode, vous allez voir qu'on appelle cet enflux-là, n'est-ce pas, sur notre gorge. C'est ce qu'on appelle le goitre. Mais avec nos produits, la liste des produits que j'appelle, n'est-ce pas, je peux citer hein, l'aloe vera gel, Royal Jelly, Abetaka, Naturmine, Asobanse, Field of Greens, on a appliqué. Et la dame, elle a retrouvé la santé. Le goitre a fondu. Alors, nos produits rajeunissent. Voici le cas de ce grand monsieur en 2018, et 2016. Il a rajeuni. Alors, un conseil. On dit celui qui aujourd'hui n'a pas le temps pour entretenir sa santé devra dans le futur avoir beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour gérer cette maladie. Et c'est vrai. Moi, je vois le cas. Hein. Nous, bon, je le dis, hein, moi, j'aime le business en ligne, n'est-ce pas? Et c'est mon deuxième travail. Sinon, moi, je vois dans notre corps, l'enseignement, par exemple, je vois des gens qui sont à la retraite, vraiment, ils sont malades. Vous voyez? Voilà pourquoi je donne ce conseil-là. Même si tu ne viens pas à Forever, Living Product, il y a deux sociétés de compléments alimentaires, n'est-ce pas? Il faut consommer. Il faut consommer. Ça, moi, je vous le conseille. Il faut consommer. Alors, donc, on va passer, n'est-ce pas, au point 2, la santé économique et financière. On dit comment bâtir, ça c'était notre quatrième point, comment bâtir une entreprise à succès dans le domaine du bien-être sans quitter son emploi. OK? Bien. Santé économique et financière. Vous voyez, les choses changent aujourd'hui. Les choses changent rapidement. Et vous devez changer votre façon de chercher de l'argent. Regardez un peu. On dit WhatsApp a tué BBM. YouTube a tué DVD. J'espère que vous suivez avec moi. Bluetooth a tué infrarouge. Avant, on voyait les infrarouges, n'est-ce pas? Zender a tué Bluetooth. CD a tué cassette. SMS a tué rédaction de lettres. Email a tué fax. Ordinateur a tué machine à écrire. Et quoi d'autre a tué quoi encore? Internet a tué bibliothèque. Google a tué dictionnaire. Wikipédia a tué encyclopédie. Regardez ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Je reste chez moi à la maison. Je vous invite à travers le monde. Il y a des Camerounais hein, parmi nous. Il y a des Camerounais, tout à l'heure il a dit son nom. Il reste au Cameroun, ici, qu'on appelle la conférence. Donc, Zoom est en train de tuer lentement
mais régulièrement les réunions physiques. Vous allez voir, dans quelques temps, dans quelques années, n'est-ce pas, on ne va plus faire des réunions physiques. C'est-à-dire s'appeler, n'est-ce pas, on s'appelle au quartier, n'est-ce pas, réunion de famille. Les gens vont rester chez eux à la maison. Et puis, on applique les liens. Et puis, on se voit à travers le monde. Et puis, on fait notre réunion. Et devenez le grand. Le revenu passif tue progressivement le dur labeur. Regardez autour de vous. Aujourd'hui, aucun millionnaire ne fait vraiment de travail dur. Ils investissent simplement dans des systèmes de création d'argent, l'accompagnent de quelques travaux intelligents, sérieux, pendant un court moment, puis le laissent rouler et se trouvent dans le pilote automatique. Et c'est clair. Tout à l'heure, je vais vous montrer un tableau. De façon automatique, on peut avoir de l'argent. OK? Alors, cela s'appelle revenu passif. Si vous ne prévoyez pas d'appartenir à l'avenir, vous pourriez être la seule personne qui travaillera toujours dur demain. L'entrepreneuriat a changé de tournure. L'actionnariat aussi a changé de donne. OK? On doit apprendre à relativiser et s'adapter au changement. Méditons avant qu'il ne soit trop tard, chers frères et chers sœurs. Il faut s'adapter. Autre, quelque chose encore, le marketing relationnel remplace progressivement la vente classique. Qu'est-ce que le marketing relationnel? Regardez un peu, j'explique un peu un schéma simple. Je prends le modèle classique de distribution des produits. On prend une entreprise productrice. L'entreprise va produire, n'est-ce pas, ses, qu'on appelle ses produits. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va acheminer ses produits vers qu'on appelle les centrales d'achat. Après les centrales d'achat, les produits viennent chez les grossistes. Après les grossistes, les demi-grossistes. Après les demi-grossistes, les dépôts. Et après les dépôts, les détaillants. Et enfin, le consommateur. Réfléchissons un peu. Qu'est-ce qui va se passer lorsque le produit arrive chez le consommateur? Le produit va évidemment augmenter de prix. Parce que je prends l'exemple terre à terre. On va évoluer. Je prends un exemple. L'entreprise produit, n'est-ce pas, le produit à 200 francs. Et le circuit, là, le circuit intermédiaire, là, n'est-ce pas, ils vont majorer, n'est-ce pas, le produit de 800 francs. Et à la fin, le produit arrive chez le consommateur à 1000 francs. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, chers frères et chers sœurs, et si on faisait autrement? Le marketing relationnel dit, il est contre ça. Et quand on parle de marketing relationnel, les gens sont vraiment, ils sont dans leurs états. Ils disent non, c'est des, qu'on appelle, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Le marketing relationnel, je vous dis aujourd'hui, ce n'est pas de l'arnaque. C'est une méthode simple de vente. C'est une méthode simple de vente. Ce n'est pas de l'arnaque. Je prends un exemple aussi. J'essaie d'expliquer terre à terre. Alors, vous avez l'habitude de manger, n'est-ce pas, dans un restaurant, n'est-ce pas, et qu'on appelle le plat coûte 1000 francs. Le plat coûte 1000 francs. Et un plat délicieux. Vous avez bien mangé, vous êtes bien restauré, et vous venez dans votre quartier, et vous parlez de ça à vos amis. Et vos amis, à leur tour, cherchent à connaître, n'est-ce pas, la restauratrice. Et puis, ils vont là-bas, ils vont manger. Et à leur tour aussi, ils font la même chose. Et qu'est-ce qui va se passer au niveau de la restauratrice? Son chiffre d'affaires va augmenter. Sa clientèle va augmenter. Mais, grâce à qui? C'est grâce à vous. Mais est-ce que la restauratrice va vous appeler pour vous rémunérer? Et pas du tout. Alors, le marketing relationnel dit qu'il est contre ça. Il dit, et si on faisait autrement? Donc, dans le marketing relationnel, on va barrer, n'est-ce pas, le modèle classique. Et qu'est-ce qu'on va faire? Le consommateur va signer un partenariat, n'est-ce pas, avec l'entreprise. N'est-ce pas, dans ce cas, il va gagner. Et le consommateur, à la fin, sera payé. C'est-à-dire que ce qu'on va mettre dans le circuit de distribution, n'est-ce pas, sera donné, n'est-ce pas, au consommateur final. Et c'est ce qui se passe avec le marketing relationnel. OK?
Alors, avec Forever, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous achetez votre produit, n'est-ce pas? Vous consommez. Quand vous consommez, vous êtes satisfait, vous parlez autour de vous. Et quand vous parlez autour de vous, il va se passer deux groupes. Un groupe de consommateurs et un groupe qui va vouloir faire comme vous, n'est-ce pas, la recommandation. Et dans la recommandation, vous allez bâtir une petite équipe. C'est-à-dire, vous allez créer votre petite entreprise. Et après cette petite équipe va grandir. Ça va devenir une grande équipe et cela, ça va devenir une grande entreprise. Et c'est dans ça que vous allez gagner l'argent. Avec Forever. Tout à l'heure, je vais vous expliquer. Comment adhérer à Forever? C'est très simple. Pour adhérer à Forever, vous allez, n'est-ce pas, voir celui qui vous a invité aujourd'hui, n'est-ce pas? Et la personne va vous donner, n'est-ce pas, va, n'est-ce pas, partir avec vous. Si vous êtes en France ou bien vous êtes dans n'importe quel pays, par exemple au Cameroun, ça se fait en ligne. En Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe? La personne va vous donner, n'est-ce pas, va partir avec vous, n'est-ce pas, au siège de Forever à Cocody, n'est-ce pas, à la Riviera Golf. Et vous allez prendre une fiche de contrat. Vous allez remplir votre partie. Et lui va remplir aussi celui que vous a envoyé. Et il n'y a pas de caution à payer. Vous faites un achat minimum de 53 000 francs. Un achat minimum de 53 000. Je dis bien un achat, ce n'est pas une caution. Un achat minimum de 53 000 francs. Et cet achat vous donne droit, n'est-ce pas, à un numéro international. Et ce numéro, n'est-ce pas, il est valable partout dans le monde entier. Vous pouvez travailler avec ce numéro partout dans le monde entier. OK? Alors, en cela, une fois que vous avez fait votre achat, la société vous donne 2 mois et vous avez le choix. On ne vous force pas, vous avez le choix. Ou soit, vous restez consommateur parce que vous voulez soigner une maladie, ou bien vous aimez l'argent. Vous voulez créer votre entreprise dans ce domaine. Et donc, la société va vous donner, n'est-ce pas, 2 mois consécutifs pour compléter, n'est-ce pas, votre achat à 340 000 francs. Et en cela, vous devenez, n'est-ce pas, un grand entrepreneur, c'est-à-dire un FBO, on appelle ça Forever Business Owner. Et vous avez 3 avantages. Si vous atteignez ce stade, désormais vous allez payer les produits à 35% de réduction. Et dès que vous recommandez le produit à quelqu'un, la société vous donne 72 000 francs par recommandation. Et aussi, si vous formez une petite équipe, vous allez avoir 3% sur le chiffre d'affaires de cette équipe-là. Est-ce que c'est compris? En avance. Et puis, vous évoluez. Donc, alors, nous sommes ici, on fait des formations les jeudis. On peut vous expliquer, n'est-ce pas, le reste. Alors, et si on faisait différemment? Alors, ici, je ne vous appelle pas. Je ne vous appelle pas ici pour aller se promener dans la rue pour chercher des clients. Non, pas du tout. Si c'est ça, moi, je n'allais pas faire. Moi, je n'allais pas rentrer. Je n'allais pas faire. C'est vrai que moi, je l'ai fait pendant 2 ans. Je n'ai rien eu là-dedans. Je me promenais. Je partais à l'intérieur, n'est-ce pas, à Dimokro. Je partais dans des salles. Je louais des salles, la salle de la mairie de Dimokro. Et je faisais mes conférences. Chers frères et chers sœurs, je n'ai rien eu là-dedans. Mais ici, on vous appelle de faire autrement l'activité, de construire votre entreprise en ligne. Et si on faisait autre, différemment, c'est-à-dire de bâtir la semaine. Alors, nous allons passer à l'automatisation. On va automatiser le processus. Le marketing digital remplace progressivement le marketing relationnel classique ou marketing de rue. Qu'est-ce qu'on appelle marketing digital? Le marketing digital, couramment appelé marketing numérique, désigne l'ensemble des techniques marketing utilisées sur les supports et canaux digitaux. Je prends mon exemple, vous me voyez de partout, n'est-ce pas? Alors, comment j'ai fait pour vous inviter ici? Comment ceux qui vous ont invité, comment ils ont fait pour que vous soyez là? C'est à travers les réseaux sociaux, à travers des outils marketing, que je vais vous dire tout à l'heure, les tunnels de vente, les tunnels de prospection. Simplement, hein? Je ne suis pas sorti de ma maison pour appeler quelqu'un. Je suis assis devant mon ordinateur, je t'envoie un lien,
et tu as aimé mon lien, tu viens, et puis avec des campagnes email, et tu viens assister à ma conférence. Simplement comme ça. OK? Donc, et si on faisait autrement? Alors, la stratégie. La stratégie, c'est quoi? C'est de structurer et mettre en œuvre la stratégie la plus adaptée grâce au web. Alors, je vais vous montrer, n'est-ce pas? Alors, je suis allé. Très bien. Alors, je vous explique ici. Alors, pour ceux qui ont des slows, prenez, n'est-ce pas, un slow ici et vous marquez, n'est-ce pas? C'est très simple, hein? Avec la stratégie numérique, c'est simple. Alors, vous qu'on appelle, vous ciblez un besoin. Tu prends un besoin, n'est-ce pas, de perte de poids. Et tu fais un texte par rapport à cette perte de poids. Un texte accrocheur. Ton texte doit accrocher. Et tu vas demander, n'est-ce pas, à Facebook. À Facebook. Et tu vas faire ta publicité sur Facebook. Et c'est pas n'importe quelle sorte de Facebook, hein. Et n'importe quelle sorte de publicité, hein. La publicité dont je parle ici, c'est Facebook Ads. Parce qu'il y a Facebook Booster Facebook et il y a Facebook Ads. Booster là, les gens mettent de l'argent pour, n'est-ce pas, et puis Facebook, non, ça c'est pas les vrais clients que tu gagnes. Mais avec le Facebook Ads, tu demandes à Facebook de trouver les meilleurs clients. Et donc tu fais tes annonces. Ça peut être sur Facebook, ça peut être sur YouTube, ça peut être sur LinkedIn, ça peut être sur Twitter, ça peut être sur Instagram. Et donc, et Facebook va envoyer ses clients, n'est-ce pas, qu'on appelle des clients, en tout cas, des très bons clients. OK? Et ces clients vont rentrer, n'est-ce pas, tu vas les inviter à ta conférence. Ou bien, tu les invites dans ton tunnel. Et quand ils vont rentrer dans la première partie de ton tunnel, ils vont laisser leur contact. Ils laissent leur contact, leur nom et leur email. Et ces informations seront logées, n'est-ce pas, dans la partie contact de ton logiciel. Vous voyez un peu, non? Très simple. Et le jour J, tu rappelles l'information, la conférence en ligne, tu envoies un message de façon automatique. C'est la machine qui fait tout. Et tu les invites, n'est-ce pas, à la conférence. Ils viennent sur ta conférence. Et sur le champ, ils peuvent ne pas passer à l'action. Ce n'est pas grave. Même s'ils ne passent pas à l'action, ce n'est pas grave. Et donc, tu as une possibilité, n'est-ce pas, de donner encore une autre des informations, de les rappeler chaque jour, pendant des mois, pendant qu'on appelle des semaines, avec la machine. Donc, c'est ce que, en tout cas, si vous acceptez, n'est-ce pas, de rejoindre notre business, on vous forme, n'est-ce pas, sur cette méthode, de A à Z. Et donc, après cette campagne, la personne va passer à la banque, ou bien, n'est-ce pas, la personne sera votre partenaire. OK? Alors, donc ici, on va créer, n'est-ce pas, un système d'acquisition des clients qu'on appelle SCA. On va lancer une publicité, on va ajuster la publicité. Même si vous voyez que votre publicité n'est pas bonne, il y a des méthodes pour ajuster la publicité. Soit c'est votre test qui n'est pas bon, soit votre page de capture n'est pas accrocheuse, n'est-ce pas, ou bien le bouton, n'est-ce pas, d'action n'est pas bon. Donc, c'est des choses comme ça. Alors, vous n'avez pas besoin d'avoir des compétences en informatique pour faire ça. Moi qui vous parle, je ne connaissais absolument rien en informatique. Je ne savais même pas qu'est-ce qu'on appelait clavier. J'ai appris tout ce le temps. Aujourd'hui, j'essaie de tout faire. Vous n'avez pas besoin de s'y connaître, n'est-ce pas, en marketing, d'être un infographiste. La solution. Alors, comment vous sentirez-vous si vous avez chaque jour des clients qui demandent vos meilleurs produits? Et c'est ce qui se passe, c'est ce qui va se passer. Vous allez voir chaque matin, des gens vous envoient des messages. Ah, monsieur, j'ai suivi votre conférence, ou bien j'ai regardé votre tunnel, et c'est très bon, j'ai vu des produits, ainsi de suite. C'est ce qui va se passer. De façon automatique. Alors, voici un cas. Ça, c'est mon tableau, sur mon logiciel. Vous voyez? J'ai 458,70 euros, n'est-ce pas? Et chaque jour, j'ai fait. Bon, ça, ce n'est pas mon business phare, hein, n'est-ce pas? Ça, c'est des business parallèles. Vous voyez un peu? De façon automatique, je peux gagner de l'argent. OK? Regardez, le nombre de mes élèves, j'ai 26 élèves. Vous suivez un peu? Alors, tout ce que je vous ai dit, n'est-ce pas? Vous a plu, hein, n'est-ce pas? Moi aussi. Alors, maintenant, vous avez trois choix possibles. Vous avez trois choix possibles. J'espère que vous avez compris. Alors, le premier choix,
Soit vous faites fi, ou bien vous vous déconnectez. Vous faites fi de tout ce que je vous ai dit et vous conservez votre manière de vivre actuelle. C'est-à-dire que ça ne vous a pas plu. Ou bien soit, ça vous a plu, mais vous partez seul. Vous prenez une voie difficile en implémentant seul ce que je viens de vous partager. Alors, pour cela, vous serez sur cette voie. Excusez-moi, ma machine là. Pardonnez. Voilà, vous serez comme ça. Vous serez seul sur cette voie. Et cette voie, ça fait peur, hein, n'est-ce pas? Si tu es seul sur cette voie-là, personne ne va t'aider. Et donc, si tu veux faire ça seul, c'est pas bon. Ou bien, soit vous prenez une voie facile en rejoignant quelqu'un qui maîtrise parfaitement le sujet et a déjà accompagné des entrepreneurs au succès. Là, je vous conseille cette voie. Votre cadeau. Un bonus. D'abord, si vous rejoignez, n'est-ce pas, notre équipe, si vous acceptez de travailler avec nous, on va vous offrir tous les outils du web marketing. On vous forme là-dessus. Là, j'ai dit ça très bien. On vous forme là-dessus de A à Z. Formation gratuite. Et vous allez apprendre tous les aspects techniques. Vous allez avoir accès à nos différents groupes d'entraide. Donc, on vous forme sur tous les produits, tous les outils. OK? De façon gratuite. Je dis bien de façon gratuite. Alors, nous vous réservons de notre temps durant les trois jours, trois prochains jours, pour ceux qui sont prêts aujourd'hui, à cliquer, n'est-ce pas, tout à l'heure, je vais vous donner le lien. Pour ceux qui sont prêts à nous rejoindre aujourd'hui, alors nous allons vous réserver, n'est-ce pas, trois jours, les trois prochains jours, n'est-ce pas, pour des échanges. Nous allons discuter durant 30 minutes et nous préparerons un plan d'action précis pour vous permettre de déployer votre nouveau business en ligne. Et si nous voyons que vous correspondez au type de personnes que nous recherchons, alors nous vous invitons à devenir un de nos nouveaux partenaires pour accélérer vos résultats. Par contre, cette proposition est limitée car nous ne pouvons accompagner tout le monde et n'avons que 10 sessions à vous offrir. Nous avons 10 sessions. C'est pour vous si vous souhaitez automatiser votre ressource en client. C'est pour vous si vous souhaitez aider plus de personnes grâce à une activité en ligne. Et c'est encore pour vous si vous êtes prêt à utiliser les dernières stratégies pour obtenir ces résultats. C'est pour vous si vous avez l'énergie et la volonté d'œuvrer à votre réussite. C'est pour vous-même. Même si vous n'y connaissez rien en technique. Et c'est pour vous encore. Même si vous n'y connaissez rien en marketing, votre situation est compliquée. Vous débutez ou souhaitez le faire, vous avez un budget limité. C'est encore pour vous. Par contre, vous devez être totalement déterminé et engagé à sortir de votre situation. Dès le service. Alors, on dit, vous ne réussirez jamais si vous prenez tout, si vous pensez que tout est une arnaque. Et les gens, quand on fait les conférences, disent c'est de l'arnaque. Vous n'allez jamais réussir. Vous n'allez jamais réussir si vous ne faites pas le premier pas aussi. Et vous n'allez pas réussir aussi si vous avez peur d'échouer. N'ayez pas peur d'échouer. OK? Tout à l'heure, moi, j'ai dit, j'ai fait la méthode rationnelle, je me promenais dans les villes. Moi, j'ai échoué dans ça. Et j'ai pas eu peur. Je suis en train d'essayer. J'ai essayé, n'est-ce pas, la méthode, n'est-ce pas, en ligne. Et ça marche. OK? Alors, c'est pour vous. Si vous réservez votre session stratégique, au fait, en vous rendant sur le lien. Alors, je vous donne le lien, n'est-ce pas, dans le chat. Je vous accorde 5 petites minutes pour ceux qui sont prêts, n'est-ce pas, à prendre rendez-vous avec nous ce soir. Je dis bien ce soir, je vous donne, n'est-ce pas, le lien tout à l'heure. Je mets dans la discussion, voici le lien. Alors, je mets très bien. Ah, le lien. Ah, là, le lien n'a pas été copié. Bon, c'est pas grave.
Ce n'est pas grave, problème technique encore. Bon, ce n'est pas grave, chers amis, chers frères et chers sœurs. Bon, vous allez prendre une feuille. Vous allez prendre une feuille. Vous allez copier, n'est-ce pas, ce lien-là. Et vous partez sur Google. Vous recherchez, n'est-ce pas? Et vous allez prendre rendez-vous en même temps. Voilà. J'ai essayé tout à l'heure. J'avais pensé copier le lien. Alors, et aussi, j'avais pensé copier le lien. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, je reprends. Oui, j'ai mis le lien dans le chat là. Je vois que ça ne scrolle pas. Donc, ça dit que le lien n'a pas été bien copié. C'est pas grave. OK. Donc, vous prenez le lien, n'est-ce pas? https://talandi.com et dimservice 2020. Rejoignez-nous tout à l'heure. Alors, je vais. La conférence a été enregistrée. Nous allons vous donner le lien tout à l'heure pour ceux qui n'ont pas pu bien suivre. Vous allez, n'est-ce pas, revoir la conférence en ligne encore. Et je vais encore remettre le lien en bas pour ceux qui vont prendre le rendez-vous ce soir. Vous prenez le rendez-vous et puis, de la semaine, n'est-ce pas, on va vous, n'est-ce pas, entretenir, voir dans quelles conditions on va commencer à travailler, n'est-ce pas. Voilà, donc, et nous allons vous former, n'est-ce pas, de façon gratuite. OK. Alors, je vous accorde encore 10 minutes pour ceux qui veulent leur poser des questions. Vous pouvez ouvrir le micro, n'est-ce pas, je suis là. Et celui qui veut parler, n'est-ce pas, peut, n'est-ce pas, ouvrir son micro et puis poser sa question. Excusez-moi. Nous sommes au thème de la conférence. Alors, donc, si vous avez. Vous voulez poser des questions. Si vous voulez poser des questions, n'est-ce pas, je vous écoute. Bonsoir, 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 cher. Ouais, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Ouais, ça va bien. Ok, d'accord. Ah, vraiment, moi, je suis une dame, je vous ai suivi. Mm-hmm. Je suis vraiment ravi. Ok. Ravi de votre prestation. Merci beaucoup. Surtout ces outils dont vous avez parlé. Oui, oui. Voilà, vraiment, il y a des points là. Je ne regrette pas d'avoir suivi. Ok, merci. Vraiment, ça a été très, très intéressant. Ok, merci. Je voulais vous féliciter. Merci, Onda. Voilà, merci. Ok, merci beaucoup. Autre personne? Autre personne? Qui d'autre? Oh, si tu as. Bon, peut-être que des gens ont. Si vous voulez écrire, faites par écrit, n'est-ce pas? Je suis là encore, n'est-ce pas? Vous pouvez écrire dans le chat votre question et puis je vais vous répondre en même temps. Voilà, vous pouvez écrire dans le chat, viens là-bas. Voilà. Monsieur Bakayoko, tu n'as pas de questions? Achidi Kofan, tu n'as pas de questions? Voilà, tous ceux qui sont là, n'est-ce pas? Si vous avez des questions, n'est-ce pas, n'hésitez pas. Ah, il y a une seule personne qui a parlé. Ah oui, quelqu'un a essayé d'écrire, n'est-ce pas? Je vais voir sa question. Voilà, Patrick, succès. Je prends mon rendez-vous sur le calendrier. D'accord, merci Patrick. Ok, merci beaucoup. Très bien, merci Patrick. Donc, si tu prends le rendez-vous, on va se voir. Il y a pas de... Dès que tu prends le rendez-vous, on va se voir. À qui tu es encore? Donc, le rendez-vous, c'est sur le calendrier. Tu cliques, tu vas sur Google. Le lien n'est pas passé, sinon que les personnes pouvaient cliquer sur le lien rapidement et puis bon, et passer à l'action, et prendre rendez-vous. Et puis, on vous réserve, n'est-ce pas, les appels téléphoniques ou bien WhatsApp pendant 30 minutes et puis on échange, voir, n'est-ce pas, qu'est-ce que vous voulez faire au juste. OK, s'il n'y a plus de questions, on va mettre fin à la conférence. OK? En tout cas, moi, j'ai été vraiment très content de passer ce temps avec vous. Je vais vous dire merci. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Parce qu'au début, on était jusqu'à 19, n'est-ce pas? OK? Très bien. Alors, je vais vous dire bien des choses à votre famille. Et nous sommes là, comme je l'ai dit. Je vais remettre le lien, n'est-ce pas, dans le groupe WhatsApp. Ou bien, j'ai enregistré, n'est-ce pas, la conférence. Et je vais remettre le lien, n'est-ce pas, dans le groupe WhatsApp. Et vous allez regarder, n'est-ce pas, je mets le repli, n'est-ce pas? Vous regardez le repli. Et je vais mettre le lien des calendriers en bas, n'est-ce pas? Vous allez prendre votre rendez-vous et on va vous entretenir dans la semaine
Et je vous le dis, chaque semaine, on fait ces conférences. Quelqu'un d'autre a posé la question encore? Il n'a pas encore fini. Très bien. Donc, je viens, conversation. Voilà, merci à tous. Très bien, ok, d'accord. Merci, c'est Alexandre. Très bien. Donc, merci à tous. Et portez-vous bien. Merci pour votre aimable attention et que Dieu vous garde la semaine prochaine. Et aussi, n'hésitez pas à venir voir le groupe WhatsApp pour revoir encore, n'est-ce pas, la conférence et puis prendre rendez-vous, comprendre très bien et prendre rendez-vous. Merci beaucoup. Que Dieu vous garde. Bienvenue à votre famille.